Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien pour ma part. Ça va nickel, donc aujourd'hui on se retrouve avec une toute nouvelle vidéo. C'est fou ça. Shopping and robbing and robbing and shopping break bread with my niggas, you know how we rockin'. Hitting these licks and... Donc dans cette vidéo, je vais parler des 10 animaux les plus étranges. Donc pour commencer, on se retrouve avec une tortue, mais pas n'importe quelle tortue. C'est la tortue à nez de cochon. Voilà, donc je pense que vous l'avez compris, hein, la nez de cochon, voilà. Franchement, je trouve pas que ça fait très très beau, mais bon, c'est assez marrant. À la 9ème place, c'est le moloche hérissé. Donc en gros, c'est un lézard qui est en Australie, mais pas n'importe quel lézard. En fait, il a des épines partout sur son corps et je trouve que ça ressemble à un dinosaure. Donc franchement, lui, assez stylé. Hein. À la 8ème place, on se retrouve avec la mouche pédoncule. Donc en gros c'est une mouche normale, sauf qu'elle a deux tiges qui relient ses yeux. C'est pas très beau parce que bon, ses yeux sont quand même assez écartés de sa tête, mais ce qui paraît, pour les femelles mouches, je sais pas comment on dit, bah ça les attire, donc elles ont quand même des goûts assez bizarres. À la 7ème place, c'est le nautile. Donc en gros c'est un animal qui vit sous l'eau. Il fait partie de la famille des pieuvres, mais ça ressemble pas trop à une pieuvre. Je trouve que ça ressemble à un coquillage. On peut voir la coquille qui recouvre tout son corps et je trouve que bah c'est assez original en fait. À la 6ème place, on se retrouve avec le scarabée girafe. Donc en gros c'est un scarabée, mais sauf qu'il a un grand cou, très très grand hein, quand même je trouve pour sa taille, d'où son nom, le scarabée girafe. J'aime pas trop les scarabées, mais quand même les scarabées qu'on a l'habitude de voir, je les préfère. À la 5ème place, c'est le poisson chauve-souris. Donc en fait c'est un poisson qui ressemble à une chauve-souris, voilà. Non, plus sérieusement, donc en fait c'est un poisson qui vit sous l'eau et franchement il est assez original, avec des lèvres bien rouges, des yeux assez bizarres, et j'ai vu que c'était un très mauvais nageur et en fait il marchait bah, dans les fonds marins tout en bas. Donc voilà pour lui. À la 4ème place, on se retrouve avec la pieuvre Dumbo. Donc en fait c'est une pieuvre avec des nageoires qui ressemblent à des oreilles, d'où son nom, la pieuvre Dumbo. Mais bon, vous risquez pas d'en voir si jamais vous allez juste nager comme ça, parce qu'elle se situe à environ 500 à 4000 mètres de profondeur. Donc on rentre dans le top 3 et à la 3ème place, on se retrouve avec l'axolote. Donc c'est encore un animal qui vit sous l'eau et franchement lui je le trouve bien marrant. D'ailleurs c'est mon préféré, donc dites moi ce que vous en pensez en commentaire. Avec sa grosse tête blanche là qui nous regarde, franchement il est assez marrant. À la 2ème position, il y a le condylure à nez étoilé. Donc en fait c'est une taupe, on peut en trouver au Canada et aux États-Unis, mais sauf que cette taupe elle est assez particulière parce qu'en fait au bout de son nez elle a comme une étoile et franchement je trouve que ça fait très moche, on dirait des mini tentacules, et perso moi j'aime pas. Et donc à la première place, le grand vainqueur, le grand gagnant, c'est le Glaucus atlanticus. Cet animal donc vit sous l'eau et je le trouve juste magnifique. Sa couleur en bleu comme ça, je la trouve vraiment belle et ça ressemble plutôt à un Pokémon. Donc voilà, c'est tout pour ce top 10, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre animal préféré. Perso moi, comme je l'ai dit, c'est l'axolote. Je remercie si des chaînes communautaires m'upload. Et moi je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt, on s'appelle, au revoir, bye bye.